Et salut à tous les phénomènes, ici c'est Phenonflow et bienvenue aujourd'hui pour un nouvel épisode sur FC24 avec la suite de la carrière de Nikolaï Inoue, notre Samoan préféré. Oh yeah! Alors les amis, j'espère que vous allez bien, que vous pétez la forme. En tout cas, moi ça, super. Je suis un petit peu enroué de la gorge, j'arrive toujours pas à me défaire de ce rhume. Mais ne vous en faites pas, à part ça, tout va très bien. Je me soigne et donc, si je suis capable de tourner la vidéo, c'est que ça va beaucoup mieux. Alors, déjà, aujourd'hui au programme, comme annoncé dans l'épisode précédent, on va avoir 3 matchs, puisqu'on revient en club. Donc, on a le match contre Malines juste ici, le match contre l'OHL et surtout le Classico face au Standard de Liège. Donc, très gros programme aujourd'hui, puisque mine de rien, bah, l'OHL est très bien classé et le Standard, bah, c'est toujours le Classico, quoi. Donc, voilà. Et pour l'épisode d'après, je peux déjà vous dire qu'on aura Genk, RWDM et le club de Bruges, pardon. Donc là, pareil, ça va être un gros, gros rendez-vous. Et puis après, bah, on verra pour la suite. Bon, alors, déjà au niveau de mon pro, donc on est toujours à 73 de général. Je vais vous montrer vite fait la progression de mon joueur. Donc au niveau de la vitesse, bon, là, j'ai tout boosté à fond. Donc là, il n'y a plus rien à chipoter. Donc après, il faut faire les entraînements sur le côté pour essayer de le booster au maximum. Au niveau des tirs, là, il faut encore que j'améliore un petit peu. Mais ça commence à aller mieux. Niveau passe, on a mis un petit peu. Dribble, il faut encore que j'améliore aussi. Défense, là, bon, c'est pas la priorité, mais on va y venir aussi. Mais le principal, surtout dribble, passe et tir pour le moment. Et au niveau physique, bah, comme il a déjà un très bon physique, bah, je vais dire, on doit juste améliorer, je vais dire, l'endurance. Et peut-être 2-3 autres capacités. Et au niveau gardien, et bah, ça, je veux dire, on s'en fiche un petit peu. Donc voilà un petit peu le résumé de tout ça. Alors, du coup maintenant, on va aller jouer face à Malines. Alors, je remonte vite fait le classement, comme ça vous pouvez voir un petit peu. Donc, OHL, ils sont 7e, mais à un moment donné, ils étaient 4e. Donc, c'est pour ça que je vous dis que malgré tout, ça sera un très gros match. Malines, par contre, est un peu moins bien classé. Alors, c'est pas ce curseur-là déjà, c'est l'autre. Voilà, ici, Malines, pour le moment, est 9e. Donc il faut essayer d'aller chercher des points. Et puis le Standard pour le moment ils sont 6e. Mais attention encore une fois c'est le Classico. On sait que tout peut arriver. Et pour le moment comme vous pouvez le voir bah, on est premier. Donc pour le moment tout se passe très très bien dans ma carrière. Je suis toujours titulaire, ça ne bouge pas. Donc pour le moment tout va très très bien. Bon et bah les amis, on va donc aller jouer ce match. Et bah, on va essayer tout simplement de faire une bonne rencontre. D'ailleurs on n'est pas loin d'avoir réussi tous les objectifs pour renouveler mon contrat, donc il n'y a plus qu'à créer encore 2 buts et on est bon. Et après, bah, on verra si on garde toujours le Bayer Leverkusen comme club cible, même si pour le moment on est très bien parti, ou alors si on va au Bayern Munich. Donc ça, au moins vous le savez. Dans tous les cas, les amis, donc on va y aller comme d'habitude. Vous le savez, vous connaissez les bails. N'hésitez pas à me laisser un maximum de pouces bleus. L'abonnement c'est pas encore fait pour me soutenir dans ma passion et surtout pour ne pas louper les prochains épisodes. Et les autres contenus, que ce soit gaming, urbex, threader, court-métrage et autres déclonades. Et se faites tout ça, un énorme merci à vous pour votre soutien, ça me fait vachement plaisir et puis bah, c'est toujours motivant. Allez, assez parlé, passons aux choses sérieuses, direction Malines. Et ben voilà les amis, on y est pour ce match, j'en ai profité pour boire un petit peu. Et voilà, Nikolaï Inoue. Alors d'ailleurs, sachez que j'ai trouvé, normalement ça devrait le faire, j'ai trouvé le moyen de mettre la caméra joueur pro. Maintenant on va voir si ça a pris. Si ça a pas pris, bah tant pis, on continuera à jouer comme on joue pour le moment. Mais normalement j'ai trouvé l'endroit où il fallait changer. Donc on va voir si ça a pris. Et puis bah on va voir si on arrive à jouer avec cette caméra. En tout cas j'aimerais bien parce qu'elle est beaucoup plus immersive je trouve. Après on verra, ça se fera peut-être un peu plus progressivement, mais on verra. Alors obtenir notre dommage de cet ennemi, adresser une passe décisive sur un but. Eh ben on va mettre on va mettre ça. Allez, on est parti et ça fonctionne toujours pas. Ok, bon bah on va rester comme ça. Écoutez, j'avais modifié dans les paramètres, je vous montrerai où est-ce que c'est quand on a fini ce match. Mais ça a pas l'air de prendre. Est-ce que c'est un bug, je ne sais pas. J'avais trouvé la caméra, mais bon, ça a pas l'air. Donc tant pis, on va continuer comme ça. Allez, c'est parti pour le moment. On y va. On perd pas de temps. Par contre là c'est mauvais passe, ça commence mal. Allez, on s'applique. On a fait de très bons débuts avec la sélection nationale. Maintenant, il faut montrer qu'on continue à grandir à Anderlecht, comme ça bah, on continue à progresser et à montrer qu'on mérite d'être titulaire. Allez, bonne passe pour Francis Amouzou, c'est parti. Allez Francis, avec ta vitesse, t'es capable de passer. Vas-y, frappe, tente. Et voilà, une passe D. Bordel, j'aurais dû prendre cet objectif-là. J'ai réussi la passe décisive, ça c'est fait.
Ouverture du score 0-1 et c'est signé Francis Amouzou. Parfait. On commence très très bien cette rencontre. Parfait. Une très belle contre-attaque, ça n'a pas trop traîné. Et Francis a été efficace comme toujours avec sa vitesse. D'ailleurs, pour le moment, comme vous le voyez, pour le moment, Nicolas Inouï se traîne encore un petit peu. Maintenant, comme je vous l'ai dit, au niveau de sa vitesse, c'est un peu normal aussi. Vu le gabarit du gars, on a quand même mis un gars qui fait 2 mètres pour 150 kg. Faut savoir se traîner. Hein. Ah ben, deux fours. Par contre, là, il y a un gros bug de texture. C'est deux fours écrasés par une voiture. Mais en tout cas, ils l'ont ramené. Ils ont mis la modélisation de Steven Defour, ça c'est chouette. Par contre, effectivement, la ville a fini écrasée sous une voiture. Allez, 1-0. J'espère que ce bug sera vite corrigé par après. C'est la première fois que je vois ça. Allez, bonne défense, bien joué ça, pour part de l'année. Alors je suis là, voilà pour un fait. Landwich, je t'ai vu. Alors, voilà. Oh, Francis. Il a encore lâché, par contre je suis pas là. Est-ce que la tête peut revenir? Non. Et en plus, il y a une faute de main. L'arbitre laisse l'avantage. Bien joué. Allez, est-ce que je passe? Oui. Oh, ça s'est pas joué à grand-chose. C'était chaud. Première occasion de notre part. Ah, il faut aller chercher. Bien joué. Alors, attends. Alors, quand est-ce que... Voilà, je m'en doutais. Alors, d'ailleurs, il a capté que j'allais demander la balle. Ça faisait longtemps que je la demandais, mais je sais pas. Parce que ça peut vous me la faire. Allez, je suis là. Voilà. Reviens. Voilà, on tourne un petit peu. On vient un peu vers le milieu. Waouh, bonne marche. Passe le français, c'est pas passé. Ça serait passé, ça aurait été incroyable. Allez, on reste toujours bien placé. On reste concentré sur notre match. Pour le moment, tout va bien. Et voilà, on récupère le ballon. Bien joué, Delany. Alors, je suis là. On voit que je suis là. Voilà. On va essayer d'aller provoquer un petit peu. Oh, ça passe. Vas-y, Anders. Boum. Allez, 0-2. Deuxième passe décisive. Et c'est signé Anders Dreyer, j'ai l'impression. On va voir sur Matrix. Ben, je crois que c'est Matrix, pour une fois. Décidément. C'est Matrix. Ouais, c'est Matrix. C'est bien lui. Eh ben, voilà. Magnifique. 2-0. Deuxième passe décisive dans cette rencontre. C'est parfait. On se demander si j'aurais pas dû jouer milieu central, personnellement, vu les caviars que je distribue. Mais bon. On est bien, on joue bien, tout roule, donc autant dire que je suis peut-être un nouveau profil d'attaquant, peut-être un attaquant pivot comme on appelle ça. Mais c'est parfait, magnifique, allez, 2-0, on continue, on est bien. Ah, je l'avais dit, hein, contre ma ligne, il y a moyen de prendre des points, ils sont pas très bien classés. Le tout c'est de bien jouer correctement, et surtout, bah, continuer comme on l'a toujours fait pour le moment. Allez, on reste bien au pressing. Il y a Thomas, Nicolai, pardon. Parce que Thomas a tellement fait que j'arrête pas de prononcer son nom. Allez, attention, reste concentré. Oh là là, Vertonghen qui s'est complètement loupé. Et ça, c'est goal. Oh là, Red Schmeichel. Oh là là, le loupé de l'intervention de Yann Vertonghen. C'est rare quand ça arrive, mais là, il s'est complètement loupé. Heureusement que l'attaquant de Malines a un peu hésité. Et Schmeichel, bah, comme d'habitude, nous gratifie d'une sacrée parade. Allez, corner. Concentré, on a cet homme-là à tenir. Ah là là, et là c'est pas ma faute, c'était à deux bases à le tenir. Je m'en suis douté que le ballon allait arriver là. Et ben voilà, Malines qui réduit la marque, 1-2. Ah, c'était sûr et certain, hein. On va le voir encore ici. 0 de base qui ne tient pas du tout son homme, je m'en doutais que ça allait finir là. Et puis bah ça rentre. Ah là là, 0 de base qui a pas bien tenu son homme, et puis bah ça paye cash. Pour ça j'ai essayé de me mettre là, mais trop tard. Enfin bon, c'est comme ça. On peut pas non plus tout faire hein, dans l'équipe, c'est comme ça. 0 de base, c'était pas au marquage et ça paye. Allez. Et ben ça fait 1-2. Attention de pas se faire rejoindre par Malines. Ça serait dommage. Alors je suis là, faites la voir. Voilà, changer d'aile un petit peu. Et en arrière, voilà, je vais replacer un petit peu. Là, je suis là. Alors le coup de rein ne passera pas. Dommage. Et attention au pressing. Attention de pas s'en prendre un goal. Aïe, attention, parce que Malines, j'ai l'impression qu'il commence à reprendre du poil de la bête. Bien joué, ça. Aïe, Patrice, lance-moi. Voilà, bien joué. Lance-moi. Parfait. J'ai vu Amouzou. Oh là là, la passe, il passe pas, mais attention. Pff, gardien, il a eu chaud, parce que j'étais pas loin de la voir.
et à une faute. Pourquoi c'est moi qui dois la botter? Je suis censé être loin, moi. Reviens un peu en arrière. Bon, tant pis, bah, si tu y vas, bah, allez-y, hein. Jouez sans moi si vous le sentez. Allez, corner, belle occasion de Matrix, plus sérieusement parlant. Et je pense qu'on m'a mis tout derrière, personnellement. Peut-être que parce que j'ai une bonne stat pour les coups francs, je sais pas. Pourtant, je suis pas un bon tireur. Allez, corner. Alors, on va se placer. On va demander le ballon. Pas mal, ça. C'est parti. C'est beau, ah, dommage. Et le ballon, finalement, qui a été pris par Longway, j'ai l'impression. Non, c'est Augustinsson qui a pris le ballon. À la base, j'avais demandé le ballon, mais Augustinsson est passé devant moi. On sera à corner, à nouveau. Allez, faites la main bien. C'est mal botté, ça. Là, on sait rien faire. C'est très mal botté. Il y a un gros problème au niveau de bottage. Hein. Toujours mal botté. Les cinémas, ils savent pas botter des corners. Hein. Hop, j'ai vu. Ah, ça, c'est un dommage. On va revenir. La mi-temps va bientôt être sifflée. Voilà. Bon, ben, mi-temps, les amis. Bon, tout se passe très bien. On mène au score. Pour le moment, bon, je sais pas pourquoi on n'arrive pas à me trouver. Maintenant, il faut dire que, bon, vous savez que Nicolas Inouï, c'est une sacrée charrette qui tire parce qu'il est quand même lourd. Donc, c'est normal. Bon, alors, niveau possession, on ne l'a pas. Par contre, au niveau des strates avancées, on est pas mal. Donc, on est bien. On est sur une bonne lancée. Allez, on va poursuivre alors. On perd pas de temps. Deuxième période. On enchaîne, on y va. Et on n'oublie pas, il faut avoir la possession à 55%. Et la note de 9 pour avoir l'objectif avancé. Pour avoir des boosts de développement, par contre, ça c'est très mal fait. Faute. Ouais, j'ai fait faute, j'avoue. Aïe. Principal, comme j'ai dit, c'est de gagner ces 3 comptes, prendre les 3 points. Bien évidemment. Alors, je suis là, parfait. Longway, je t'ai vu. Ah, il part trop loin, Longway. Je l'ai vu, mais il part trop loin. Je pense qu'il a foutu. Il y a faute. Ouais, l'arbitre, c'est sûr qu'il a sifflé. Bon, j'arrive pas à avoir un seul ballon hein, pour le moment. Pour le moment, c'est pas foufou. Nicolas Inouï ne fait pas grosse rencontre aujourd'hui. Oh là là, c'est pas, c'est par pitié. Ça plie pas non plus. Hein. Je veux bien que je fais des erreurs, mais ça plie pas non plus sur les passes. Hein. Voilà ça. Il faut revenir en arrière, on avançait trop tard. Je suis là. Longway, par pitié, dans les pieds. Il y a des passes. C'est... Oh, mais on va se le prendre. Hein. Ah, c'est obligé à force. Non, ça va. Je sentais qu'on allait vraiment la prendre. Vu quand le match est en train de tourner, je sais pas ce qui se passe, mais là, les passes, c'est pas ça du tout. Allez, lance-moi. Voilà. Lance à ce côté, relance-moi. Voilà, le centre, c'est bon. Oh non! Anders Dreyer, t'as juste le mettre ta tête à mettre, sérieux. Oh là là, Anders. Oh là là, l'occasion en or, prochaine fois je tire alors. J'ai voulu être trop collectif, prochaine fois je tire. Oh là 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 là, Anders Dreyer, mets la tête, hein. Qu'est-ce qu'il m'a foutu? Qu'est-ce que il m'a foutu? Allez, je suis là, voilà. J'ai vu Anders, mais j'ai faire la trice avant. Voilà, fais la latérale, Matrix, représente-toi, ou Longway. Pourquoi Longway? Je sais pas, mais ils évitent mes ballons, quoi. Je fais la passe à Longway et il s'en va, je ne sais où. Qu'est-ce que c'est que ça? Les transmissions de balles sont pas bonnes, je veux bien, mais il faut aussi exprès, hein, à un moment donné, c'est pas possible. J'ai fait 2 passes D, je sais pas, on dirait qu'on ne veut pas les prendre. Et attention, et heureusement qu'un Kasper Schmeichel qui l'arrête à nouveau. Bon. C'est chaud, 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 hein, mais... Franchement, on est en train de jouer avec notre bonheur. Et changement, Longway qui sort. Et c'est Yver Stern qui va rentrer. Je crois que c'est une bonne idée. Parce que pour moi, je sais pas ce qui se passe, mais... Ils prennent pas les ballons. Recorner à nouveau. Allez, on tient bon. Et pour moi, on a toujours Steven Defoe qui est en train de se décoiffer. Le pote de texture dégueulasse. Attention, on a déjà encaissé un goal sur corner, c'est là qu'ils sont forts, les Malinois et recorner. Allez, il faut se remotiver bon sang, on n'arrive pas à se dégager de cette zone. Et c'est très dangereux, on a vu que les corners ça peut faire très mal. Et enfin de base qui dégage, merci. Bien joué ça.
Allez, balance. Voilà, allez, je vais tenter de passer. T'accrocher, je passe. Un homme, je dois faire la passe là. Vas-y, termine. Oui, bah voilà. Allez, troisième passe décisive. Et bah voilà, un but à 3. À défaut de marquer, et bah on est décisif. Et c'est un goal de qui? De Matriz. Magnifique. Et bah voilà, d'ailleurs, Matriz, c'est son doublé déjà. C'est un doublé pour Matriz. Ah bah là, ça va lui faire plaisir pour ses stats. Hein. Voilà, une balle à ras de terre. Heureusement qu'il y a un peu de puissance, parce que le gardien n'est pas loin de l'arrêter. Allez, troisième passe décisive. On est bien, let's go. Faut continuer là-dessus. On est au top du top. Amouzou qui sort. Et là, c'est Alexis Flips qui va rentrer. Bonne idée de changement. Ça en fait un peu tourner. D'ailleurs, je pense que je vais demander mon changement dans pas longtemps non plus. Faudra que je regarde les objectifs. Parce que mine de rien, faut aussi que mon coéquipier évolue. Hein. Faut aussi penser un petit peu. Même si avant tout, je pense à moi, évidemment. Enfin, à moi, à Nicolas Inouï, bien évidemment, notre joueur. Là. Pas mal ça. Trop tard. Parce qu'en fondeur, il n'est pas passé. Maintenant, je retourne. C'est là que je suis bon. Matriz, vas-y, pars. C'est encore pour toi le triplé. Quatrième passe D. 4 passes D. Voilà. Quel stat. Un but à 4. 4 passes décisives. Parfait. À défaut de marquer, encore une fois, je distribue le caviar. Je crois que ça va être le titre de cet épisode. Je sais pas. Ou alors, je vais garder ce que j'avais en tête. Peut-être. Le classico, je sais pas. Un classico de feu, je sais pas. Je verrai bien le titre, mais ce qui est sûr, c'est que quoi qu'il arrive, j'ai distribué le caviar pour Maline. Alors là, ça y va. On est allé à fond. Et on enchaîne très bien. Magnifique. Et Matriz qui est en feu aussi. Mine de rien, il faut le souligner. Il est très très en forme. Allez, un but à 4, on continue. Et on est bientôt à fin de match d'ailleurs. D'ailleurs, j'ai gardé la stade de. Match, attention. Allez, moi ce ballon. Si le match, normalement, il est plié. Bien joué. Ok, je suis là. Trop tard. Maintenant, lance-moi. Voilà. Il était temps. Alors, je passerai pas à Vandenberg. Quoique, si, avec le physique, je passe. J'arrive à garder le ballon. Voilà. Hop. Ah, Terzer, ça passera pas. Dommage. Ok, on va regarder combien de temps il reste. Mes objectifs, alors, on a 53% de possession de balles, donc il faudrait que j'ai encore 2 petits pourcents. Et après, bah, quoi que non, on va demander le changement. On va demander le changement, soit c'est une bonne idée. Alors, est-ce que c'est... Demander remplacement, voilà. On va le demander, comme ça au moins, je garde un peu de force pour plus tard. Et au moins, mon coéquipier joue un petit peu. C'est-à-dire que j'ai fait le boulot. Un petit peu place aux autres. Voilà, passe D. Ah non, j'ai loupé. L'occasion de marquer, dommage. Aïe, 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 le gros loupé. Bon, c'est pas grave. On va quand même mettre ça sous le coup de la fatigue. Changement. Et du coup, là, c'est Velidz qui va rentrer à ma place. Bon, bah, on a réussi quand même notre match. On était pas mal. On a défaut de marquer. On a été bon au niveau des assists. Donc, c'est parfait. Parfait, parfait. Et en plus de ça, on va avoir une petite victoire ici. C'est magnifique. Donc là maintenant, on va simuler la fin du match. Voilà, comme ça on a le score et on passe à autre chose. Un but à 4, parfait. Et donc là, bah, on a réussi la majorité des objectifs. On empoche les 3 points. C'est parfait. C'est parfait, parfait. Ah bah, il est validé. Ah bah merci les gars. C'est-à-dire que mes coéquipiers ont gardé 2% de plus le ballon et on a réussi. Bah c'est parfait. Donc voilà, objectif de match validé, parfait. D'ailleurs, je suis curieux de voir, est-ce que je serai l'homme du match encore ou pas? À mon avis, non. D'ailleurs, c'est étonnant qu'on ne me voit pas pour le moment. Peut-être me voir plus tard. Ah, me voilà, quand même. Et j'ai pas de trophée, donc je suis pas l'homme du match. En vrai, c'est Matriz qui l'a eu. C'est ce qui est mérité, puisqu'il a été très bon. Bon, allez, on va passer au match suivant face à l'OHL. Et on va essayer de continuer sur cette belle dynamique, tout simplement. Allez, je vous retrouve contre l'OHL. Bon, et ben les amis, nous voilà à domicile pour affronter cette équipe de Oudever les Louvains, OHL. Un match où je serai encore titulaire, enfin, où je serai, où Nicolas Inouï est encore titulaire, donc ça c'est parfait. Pour avoir le coach, je vous fais toujours confiance, c'est magnifique. D'ailleurs, sachez que j'ai gardé dans les menus, on a rempli tous les objectifs pour renouveler notre contrat, en vue de renouveler notre contrat si on a possibilité. Donc, ça c'est déjà une très bonne nouvelle.
Donc maintenant, bah, il faut continuer là-dessus. Et puis bah, après, on regardera d'ailleurs à la fin de cet épisode la progression vers les clubs cibles. Et puis on verra bien. Alors, note de match 7,5. Ok, bah on va prendre la note de match. Voilà. On va jouer en blanc ici parce que bon, le HL il jouait déjà en blanc et on leur a mis le maillot noir. Comme ça, au moins, on sait différencier qui est quoi. Allez, c'est parti pour les meilleurs moments ou tout le match. On va voir. On y va. Allez, c'est parti. Gardez d'ailleurs. Regarde, je suis là. Je vais casser une petite ligne. Tac, voilà. Le coup de rein. Alors là, tu te bloques, Matrix. Reviens. Attends, on va faire tourner. Voilà, il repique. Pomme, pomme. Ouh, l'arrêt réflexe du gardien. Sinon, c'était le premier goal d'Inouï pour cet épisode. Grosse occasion, ce sera un corner. Grosse occasion. Ah, c'était chaud. Là, le gardien, il a eu vraiment très, très chaud aux fesses. Allez, on va se placer. Comme toujours. Alors là, le ballon, il arrivait un peu mieux, mais toujours pas assez haut pour moi. Alors là, je vais reculer un peu. Voilà. Oh, tir. Ouh, Delany qui a voulu faire un power shot. Si elle passait, c'était un goal assaut. Hein. Ah, elle a voulu viser la lucarne. Hein. Ok, deuxième grosse occasion coup sur coup contre l'OHL. C'est une bonne nouvelle. Maintenant, le tout, c'est de concrétiser à un moment donné tout ça. Et là, on sera bien. Allez, on va se concentrer dans le match. Je suis là. Parfait. Où est-ce que je peux passer? Je peux y aller. Allez, boum. La croisée, c'est goal. Et ben voilà, Nicolai Inouï qui marque dans cet épisode. Et ben voilà, on maintient les bonnes stats. C'est parfait. 1-0 pour Anderlecht. C'est magnifique. Ah ben, ça fait plaisir. Ah, ça faisait un petit moment là que Nicolai il n'avait pas marqué. Au match précédent, il n'avait pas marqué. Et puis, bah, en sélection nationale, il avait marqué un petit but ou deux, je ne sais plus. De toute façon, je suis sûr que vous vous en souvenez. On avait donné une belle passe décisive pour battre l'Argentine. Et contre le Qatar, bah là, c'était caviar. Là, Nicolas Inouï, il allumait tout. Mais je ne sais plus combien de goals il a marqué. Mais en tout cas, ici, ce qui est sûr, en bref, c'est que enfin, dans cet épisode, il marque. Et donc, on continue à garder le rythme. Allez, 1-0. D'ailleurs, sachez qu'on ira voir aussi les stats au niveau du championnat, voir un petit peu où est-ce qu'on en est au stade des meilleurs buteurs. Que sont les meilleurs buteurs, bah, c'est le top, quoi. C'est un petit plus. Et ça peut faire pencher beaucoup la balance en vue bah, peut-être de rejoindre après, à l'avenir, peut-être un plus gros club, tout simplement. Oh, attention, c'est passé. On va se concentrer parce que Martens, il est passé. Attention, et l'arrêt de Kasper Schmeichel. Et ce sera un corner. Ouh, on a eu chaud parce que Martens, il était passé trop facilement dans la défense. Patrice et Zéo de Basse, je sais pas ce qu'ils ont foutu, mais ils ont laissé trop d'espace. Et un peu plus, ça aurait payé cash. Allez, corner. Alors, je garde mon homme là-bas. Zeno de Bast, garde ton homme, s'il te plaît. Les points avec Kasmeyer, bien joué. C'est pas fini. Patrice, qui peut la choper, je pense, oui. Oui, il est assez grand. Voilà, et nous, on part. Je t'ai vu. Allez, Matrix. Voilà. Ok, maintenant. Trop tard. Oh, Matrix, je demande le ballon. Pourquoi il s'est enfermé? Ah là là là, il s'est enfermé. Pourtant, il avait une belle occasion de contre. Et attention. Louvain qui va repartir. Akmaziz. Bien joué, Zeno. Voilà. Bien bloqué. Allez, on part au-dessus. Celui-là, parfait. Oui, il y a moyen d'avoir un trou. Mais je vais pas le prendre. Je vais prendre Matrix plutôt. En relais. Voilà. Fais l'avoir. Parfait. Oh, je l'ai vu. Oh, la passe D. Oh, la passe D pour Landwijk. Oh, je l'ai vu. Ouh, que je l'ai vu, Landwijk. Allez, 2-0 dans le compteur. Come on. Magnifique. D'ailleurs, c'est dommage que Landwijk ne soit pas autant en forme dans la vraie vie, parce que ici, bah, dans la vraie vie, à Anderlecht, bah, pour le moment, bah, il sert beaucoup plus le banc que de jouer, et pour le moment, bah, il ne montre pas grand chose, donc je pense que Landwijk, à mon avis, ne restera pas. Donc, c'est dommage, bien évidemment, mais c'est dommage qu'il ne soit pas comme dans le jeu ici, où il est ultra en forme et qu'il a même pris la place de Léonie. Donc voilà, pour l'anecdote. Allez, 2-0, on est bien, on continue nos efforts. En tout cas, pour le moment, on est, je vais pas dire indétrônable en championnat, mais je pense pas qu'on ait une défaite en plus. Bon, on est invincible, j'ai l'impression. Ah, on part bien.
Là, il passe. Oh, c'est joli. Alors, vas-y, Delaney. Oh, c'était bien défait. J'étais prêt à lui demander le ballon et puis je me suis dit non, laisse-le frapper. Celui-là ici, j'étais prêt à me mettre en retrait, mais j'ai vu que c'était bien défait du défenseur. Je me suis dit, vas-y, fais-lui confiance. Allez, corner. Alors, je vais me mettre plutôt là. Est-ce que ça va passer? Toujours pas. Oh oui! Oh oui! Oh le golasso! Nicolas Inoue qui nous fait un golasso! L'humiliation! L'humiliation gratuite sur la tête de Prévost! Oh oh oh! La récupération de balle, la passe et puis le petit lob derrière! Oh là 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 là! Oh, 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 oh. Oh Nicolas Inoue, ça y est, il est lâché! Hein. Oh là là, la petite lobette qu'il a mis, le gardien il n'a rien compris. Oh là 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 là, il savait qu'elle allait dedans, il fêtait déjà avant même que le ballon franchisse la ligne. Avant que le ballon ne franchisse la ligne par contre. J'ai eu le poil sur la. Oh là là, c'est complètement fou. Oh là Nicolas. Quel golasso de Nicolas Inoue. Oh là 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 là. Allez, je suis là. Oh là là, il s'en défait de 1. Il s'en défait de 2. Oh il est chaud. Oh ça y est, il est lâché. Le bulldozer est en route, ça y est, c'est parti. Le festival va commencer, 4-0. Ça y est, Nicolas Inoue est lâché. Le bulldozer est en marche. Oh là 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 là. Oh là là là, mais ce match va tourner à correction. Hein. Mais à ce moment-là, ça veut dire qu'on sortira peut-être plus tôt dans le match. Et à ce moment-là, on se repose pour jouer le match contre le Standard de Liège. Parce que là, franchement, oh là là, ça y est. Inoue, il est lâché. Hein. Oh là là, il est lâché. C'est un truc de fou furieux. Oh là 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 là. 4-0. Doublé Nicolas Inoue en presque même pas 2 minutes. Bon là il y a faute. Ah Nicolas Inoue maintenant ça y est, il a goûté, il a faim, vous le connaissez. Il a faim le bulldozer Samoan. Il a faim. Il a goûté au but, ça y est. Oh là là, qu'est-ce qu'il a fait? J'ai voulu faire une passe mais il m'a fait un loupé, j'ai pas compris. Bon allez, faut se ressaisir. Parce que là, pour moi, je suis un petit peu euphorique. Mais en même temps, il y a quoi? Oh, s'il me l'a fait. Oh oui, la passe D, Land Wake. Allez, on y va. Refais la voie, trop tard. Centre. Ouh. Ah, mais il y avait hors jeu. Je suis mal placé. Ah, dommage. Faut dire, Land Wake, il aurait pu y aller. Hein. Même là, ici, Francis, il aurait dû frapper. Mais c'est un peu ma faute, c'est moi qui lui demandais. Ouais. Ça joue pas à grand chose. J'ai été gourmand, j'avoue. Mais vous connaissez le tempérament de Nicolas, hein. Il veut marquer, s'il en marque 5, il en marque 5. Hein. Et il va récupérer le ballon. Ah dommage, la passe par contre elle est pas bonne. Vers Matriz, qui a fait un beau mouvement intéressant. Et on va arriver à la mi-temps, bientôt. Est-ce que l'arbitre va siffler? Oui, ce serait bien. Il va siffler. Et il va siffler. Bon, et ben mi-temps 4-0. On est largement devant, on est largement supérieur, et puis bah, que dire de plus? On est monstrueux, tout simplement. Incroyable. On a déjà marqué deux ou trois buts, je sais plus, mais en tout cas, tous les objectifs sont remplis pour le moment, donc faut continuer. Faut continuer comme ça. On va encore jouer un petit peu la seconde période, et après je dirais qu'à la peut-être 55e, peut-être, allez, on sortira. Comme ça, au moins, on valide les objectifs et on garde de l'énergie pour jouer le classico face au Standard de Liège. Oh, la grosse faute, c'est carton. Même pas. Elle est gentille, l'arbitre. Hein. Elle est gentille. Parce que franchement, c'était un carton. Oh là, le bulldozer. Heureusement qu'il ne récupérera pas le ballon. Et attention. Bien joué. Alors, est-ce qu'il va y avoir des marquages? Oui, Anderslayer. On va en revenir. Alors, je suis là. Allez, casse les reins, voilà, encore. Ah, par contre, il passera pas, dommage. Bon, allez, on va demander le remplacement. Je sais qu'il est un peu tôt. Mais au moins, comme ça, on garde nos stats. J'allais dire entre la 50e et la 60e. Au moins, là, on est bon. Et au moins, notre coéquipier, bah, il peut jouer aussi un petit coup. Hein, parce que bon, il faut aussi qu'il progresse. Parce que le jour où je suis blessé, bah, je sais pas comment on va tourner l'équipe. Pas mal ça. Ok.
Bonne passe, voilà. Alors attends, je me débarque, je vais le faire, voilà. 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 Non. Il a bien suivi le défenseur, dommage. Mais ça va revenir. Alors il veut passer. Ok, il va se centrer. Il veut passer. Non, dommage, bien coupé par le défenseur. Pas fini. Retourne-toi. Ouh, la frappe puissante va arriver. Ouh. Corner pour Anderlecht, mais nous on va sortir. Allez, on sort, on va être applaudi et c'est Alejo Velis qui va continuer la rencontre. Parfait. Le match normalement est rempli, tous les objectifs pareils. Donc là on va pouvoir se reposer et entamer très vite le match face au Standard de Liège. Alors déjà, première chose, on va simuler la fin de match. Est-ce qu'on a gagné? Normalement, oui. Oui, mais on a encaissé. Bon. Voilà. Mais on a gagné, c'est le principal. Donc on prend encore 3 points, ça c'est parfait. Et on a vu là, on a eu le... On est homme du match, à mon avis. Là, on a eu le ballon ou le trophée, ça c'est sûr. Alors, j'ai eu 3 points de compétence, ça c'est bien. On pourra les attribuer. Alors, j'aimerais bien voir, est-ce que j'ai eu le trophée? Ça m'intéresse. Pour le moment, je suis pas encore là. On devrait pas tarder à me voir, normalement. Ah, me voilà. Quel beau gosse. Et j'ai eu le ballon de match, ouais. Donc, je l'ai eu. Parfait. Bon, bah les amis, du coup... On va se retrouver pour affronter le Standard de Liège, le match que vous attendez, je pense, le plus dans cet épisode. Et on va essayer de continuer sur notre belle dynamique. Allez, on y va, on perd pas de temps. Bon, et ben les amis, nous voilà pour le dernier match de cette vidéo, le match que vous attendez le plus, je pense. Ce choc face au Standard de Liège, le classico du championnat. On ne le présente même plus. Donc ici, on va essayer de faire une très bonne performance, comme toujours, parce que c'est quand même un match très très important. Et puis, ne serait-ce que pour la rivalité. D'ailleurs, gros big up à tous mes amis supporters du Standard, parce que j'ai énormément d'amis qui sont supporters du Standard. Donc gros big up à vous. J'ai même des personnes de ma famille qui supportent le Standard, donc je vous raconte pas comment c'est comique parfois quand il y a l'équipe qui perd. Hein. Je vous raconte même pas, parce que comme vous savez, je suis supporter d'Anderlecht. Alors, on va prendre la note de match, comme toujours. C'est plus simple à faire. Et on y va. Allez, c'est parti pour le meilleur moment de cette rencontre. On va essayer de faire un bon match. Et puis, espérer que tout se passe bien. Allez, bien sur ses appuis. Bon, on fait de très bonnes rencontres. On est toujours invaincu d'ailleurs. Ça serait bien de continuer là-dessus. Allez, il faut aller chercher le ballon. Allez, chercher ce ballon. Allez, il faut aller le prendre. Ça avance trop facilement côté du Standard. Attention, la frappe. Ouh, on a eu chaud. Grosse alerte là. On a eu très très chaud aux fesses. Ça commence moyen. Allez, en contre. Faut que ça parte. Andersdreyer vers moi. Ouh, je casse les reins. Ça commence. Allez. Est-ce que Inouï peut aller au bout? Je pense pas. On va mettre vers Landwijk. Vas-y Landwijk. Oh. Oh là là, Landwijk faille aller. Il a été trop altruiste. Occasion un peu gâchée là. Grosse occasion. Et occasion de part et d'autre. Par contre, celle-là, elle est vraiment gâchée. Landwijk aurait dû frapper 100 fois avant de la remettre à Andersdreyer. Aïe, aïe, grosse occasion, gâchée. Et attention, ça repart très très vite avec Genepo. Un des hommes dangereux de cette équipe du Standard d'ailleurs. Parce qu'il peut faire très mal avec sa vitesse. Et attention, Alzate. On est le... Il faut bloquer, attention, la frappe à nouveau. Et l'arrêt de Schmeichel, ouf. Corner, et bien on commence très très fort ce chapeau de roue, hein, cette rencontre. On commence très très fort. Ah, c'est chaud. Hein. C'est très 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 chaud. Et heureusement qu'on a un très bon gardien encore une fois. Allez, bien en marquage. Attention, et ça, tout va bien. Allez, lance la main là-haut. Regarde, là-haut. Voilà. Bien, Kasper. Allez, contre-attaque. On y va. Refais la main, Francis. Francis, refais la main. Voilà. Il était temps. On rentre un peu. Waouh, quel tacle de fossé. Pouah, quel tacle parfait. Il n'a pas eu peur. Hein. Le latéral américain de cette équipe du Standard de Liège. Allez, Colin, oui. Bien joué. Allez, vas-y, Francis. Frappe. Et la passe D. Voilà, on prend les devants dans ce classico. Et une passe D signée, Nicolas Inouï. Magnifique. 1-0. Amouzou qui marque. C'est très bien. On commence très, très bien cette rencontre. Parfait. Ah, voilà. C'est super. Vaut mieux entamer un match comme ça. C'est une bonne nouvelle. Maintenant, attention de ne pas avoir la même farce que dans la vraie vie. Parce que dans la vraie vie, on menait 2-0 à la mi-temps et puis finalement on s'est fait remonter à la vitesse grand V. Donc pour le moment ne vendons pas la peau de l'ours avant de l'avoir tué.
Mais en attendant, ça fait plaisir. Allez, 1-0. L'entame est bonne. Faut continuer là-dessus. Allez, commande en direct. On y va. Allez, un petit press. Il vient faire peur. Et bien voilà. Il vient sur avec le gabarit. Oui, quoi, là, il veut passer. Il va passer Life is peut-être. Ah, Roland Wake, vas-y, cette fois frappe. Allez, 2-0. J'ai cru qu'il n'avait pas frappé. Et ben voilà, deux passes D, 2-0. Le match commence déjà à bien tourner. C'est parfait. Magnifique. J'ai cru vraiment qu'il allait encore faire une passe, Alan Wake. Heureusement que je lui ai hurlé dessus de frapper. Hein. Heureusement. Ah, j'ai martelé le bouton rond pour lui dire frappe. Et il a frappé. Parce que là, il a failli encore s'arrêter. D'ailleurs, il tombe à terre. Je sais pas comment est-ce qu'il fait son truc, mais bref. Le principal, c'est que ce soit rentré. Allez, 2-0. Pour le moment, tout roule. Tout semble bien se passer. Faut continuer là-dessus. Allez, 2-0. Vamos. Oh, attention. J'ai failli faire un geste en vide. Oh, et bien, interception. Oh, joli. Nicolas Inouï va-t-il marquer dans ce classico? C'est parti, Nicolas Inouï, la frappe. Et le goal. Nicolas Inouï qui trompe en kiné. 3-0. Oh là là. Et ben voilà, 27ème minute. Le match est en train de tourner au cauchemar. Pour le Standard de Liège. Nicolas Inouï qui, après avoir adressé deux passes décisives, marque son petit but. Magnifique. Et encore une fois, il s'est imposé au physique. Hein. C'est vraiment le physique qui fait beaucoup, hein, j'ai l'impression, chez lui. Parce que clairement, Life East aurait pu le bouger. Et même l'autre défenseur que je n'ai pas retenu le nom. Même chose, il a essayé de le bouger, mais il n'y est pas arrivé. Parce que malgré qu'il a une petite vitesse, son physique fait beaucoup. Allez, on continue. Oh, et bien joué, Nicolas Inouï, qui récupère encore un ballon. Alors, je suis là. Comme ça, c'est pas un bon ballon qu'on m'a donné. Là, j'en peux rien. Allez, Nicolas Inouï, qui a faim. Presque, il presse. Avec ses coéquipiers. Et ça se referme. On va bientôt récupérer le ballon, peut-être. Sauf si le Standard garde encore un petit peu. Et ils arrivent à bien se dégager, finalement. Et attention, avec Sowa. Kawabe, bien joué. Alors je suis là, voilà. Je t'ai vu Matrix, hein, on était hors jeu là. Pas trop tard, par contre Amouzou je t'ai vu. Par contre pourquoi tu me l'as refait, je ne sais pas. Je ne l'ai pas demandé, fallait y aller. Ou en tout cas attendre que je me démarque un peu plus. Et attendant ça donne possibilité de contre-attaque avec Kawabe. Kawabe qui passe. Pour chercher peut-être un centre. On vient vers fossé. Attention au centre, ça arrive, Sowa, et bien joué, bonne interception. Léon Vertonghen. Pas mal ça. Allez, on se dégage, on en a plus d'air. Pas mal ça. Oh là là, attends que je bouge, hein. Oh là là, Ders. Il n'a pas attendu que je fasse le mouvement. Et on a perdu le ballon, mais heureusement on le récupère très vite. Allez, on va essayer de bouger, ça passe. Parfait, le doublé peut-être. Oui, le doublé. Le doublé pour Nicolas Inouï. 4-0. Et bientôt, je vais perdre ma voix à force. Ça, c'est le rhume. Heureusement, ça va. Je tiens le coup au niveau de l'animation. Tout roule. Et ben voilà, 4-0. Ben, je crois que le match va être plié plus facilement que prévu. Donc, ben, si tout va bien, ben, on clôturera peut-être cet épisode un peu plus tôt que d'habitude. Oh, c'est magnifique. 4-0. Et Nicolas Inouï qui s'est encore lâché et qui nous fait encore une prestation XXL. Ah, il nous offre là, c'est une sacrée prestation encore. Allez, 4-0. Et voilà, bon. Fin de première période, bah, il n'y a que nous sur le terrain. On fait un triplé. Lan Wake qui marque. Ah non, on a fait un doublé, pardon, parce que c'est Amouzou qui a marqué en premier. Mais enfin bref, on fait un très beau match. Très 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 beau match. Alors, au niveau des objectifs, on est bon partout, c'est magnifique. Eh ben, on peut continuer. On enchaîne deuxième période de ce classico. On y va. On y va. On perd pas de temps. Let's go. Allez, on va tenter. Puis, bah, si tout va bien. Ah, le coach vient de dire rôle plus défensif. Ok, donc ça va être faut reculer un petit peu. Je l'avais pas vu. Donc, du coup, je suis allé vers l'avant. Bien Nicolas,
Allez, hop, j'ai vu. Alors vas-y, lâche-moi, parce que j'ai une bonne accélération. Par contre, hors-jeu. J'ai un doute. Ah, et changement. Ah, du côté de... Ah bah, c'est Isaac Hayden qui va rentrer. Côté du standard de Liège. Je pensais que c'était pour moi. Mais non, pas du tout. C'est le standard qui fait un changement. Et c'était pour O'Neill. Ok. Allez. Petite pression. Attention. Ouf aussi. Oh, attention, ça va finir goal. Non, ça va. Kasper qui est bien attentif. Tout va bien. Quant à... Attention avec ce genre de dégagement. C'est pas le moment de faire n'importe quoi. Ah, pas mal. Le triplé. Le triplé Nicolas Inouï. Allez, c'est bon, on peut sortir. Le petit roulé-boulé. Je savais pas qu'il y avait ce genre de célébration. Le roulé-boulé de Nicolas Inouï qui nous fait la petite roue. Je savais pas qu'il y avait ce genre de célébration. Et ben voilà. Oh là là, incroyable, magnifique. Et donc là, du coup, on passe à 5-0. C'est parfait, c'est splendide. Que dire de plus? On est sur un petit nuage. Et je pense que... Ah bah, Mouzou qui sort et c'est Alexis Philippe qui rentre. Mais je pense que à la 60e, je demanderai mon changement. C'est ce que je vais faire. Et changement encore. Lanway qui sort pour Vercharen. Et de l'autre côté, Fossé qui sort pour... Je sais pas si c'est celui que je pense. J'en suis pas sûr. On va le savoir de toute façon dans pas longtemps, je pense. Enfin, je suppose, s'il a abandonné l'affichage sommet. Après, bon, on s'en fiche un peu. Aïe, on se concentre. Je suis là. Ouh, il y a un truc pour Flips. Allez, on y va. Ah ouais, Dewall, c'est bien Dewall. Vas-y, centre. Oh oui. Oh, l'arrêt. Oh, ben c'est goal. Il y a Everstall qui vient de rentrer, c'est 6-0. 6-0. Ankiné qui a sorti ma tête, mais par contre qui n'a pas pu sortir en deuxième temps le tir de Everscarol qui était bien arrivé. Premier ballon et tout de suite c'est un but pour Yari, parfait. Bon et ben voilà, 6-0, on peut sortir, le spectacle est terminé. Fermez les rideaux. Ah franchement on a été au top. Donc là on va demander le remplacement. Voilà, on va le demander maintenant. Donc demander remplacement, pam, comme ça on est bon. Allez. On profite encore des dernières secondes et minutes qu'on a sur le terrain. Et après, on sortira. Allez, je suis là. Par au-dessus. Voilà ça. Ah, j'ai pas su faire un passe-dé pour Yari. Ça a failli passer, malheureusement. Le défenseur est bienvenu. Oh, bien joué, Zeno. Belle récupération. Pas mal. Allez, Yari. Alors, c'était pas Yari, c'était Matrix, je pense. Ah, c'est pas fini. Tac. Petit crochet. La frappe. Oh, 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 oh. Le boulet de canon. Le boulet de canon. Nicolas Inouï. Ben oui, vous l'avez bien photographié celui-là. Oh, le boulet de canon. Oh, 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 oh. Juste avant de sortir, le boulet de canon ras de terre avec une balle montante. Oh, le golasso. Nicolas Inouï. Oh, oh, oh. Regardez-moi ça, c'est de la pure puissance. Il n'y a même pas à placer le ballon. C'est un tir en plus de ça en première intention. Donc en plus, on réussit un nouvel objectif. Mais c'est parfait, c'est magnifique. Et on sort sur ça. Ovation, messieurs. Ovation, messieurs, mesdames. Franchement, ça va être toutes les ovations. Nicolas Inouï, XXL aujourd'hui. Oh là là. Ah, on a été monstrueux. Allez, on simule la fin de match, tous les objectifs en plus sont remplis, c'est parfait, c'est magnifique. Épisode, c'est parfait, et on a gagné 7 buts à 1. 7 buts à 1, on les a démontés, standard. Bon, encore une fois, dommage que ce ne soit pas passé comme ça dans la vraie vie en championnat. Après, bon, au moment où vous verrez cette vidéo, on aura déjà joué le match de coupe, que d'ailleurs j'irai voir, d'ailleurs. Donc, voilà. Parce que ici, je tourne l'épisode en avance, parce que mine de rien... J'ai un rythme à garder pour pouvoir vous proposer tous les contenus de la chaîne. Mais en attendant, pouah, quel festa boum boum. Et le boulet de canon avant de sortir, franchement, chapeau. Incroyable.
Bon, allez, on va dans les menus, on perd pas de temps, on y va. On va aller regarder tout ce que je vous ai dit. Et après, on conclut l'épisode. Alors, déjà. Bon, Matrice, on va regarder les news au cas où. Comme ça, si je peux avoir une belle miniature, why not? Est-ce que je vais en avoir une? Non, pas encore. 10 victoires consécutives. Ok. On va regarder le classement. Et au classement, effectivement, aucune défaite. On est invincible avec 10 victoires. 10 points d'avance sur Genk, qui d'ailleurs sera notre prochain adversaire. Ça sera donc un match très, très important qu'on va jouer. Donc, il va falloir vraiment être au top niveau. Alors, au niveau de notre pro, on a gagné 3 points de compétence, j'ai l'impression. Donc, on va voir ça tout de suite. Et oui, on en a gagné. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais rajouter quelques points par-ci par-là. On va déjà rajouter au niveau de la tête. Voilà, comme ça, c'est débloqué. Et j'en remets un ici pour la puissance de frappe. Je pense que c'est une bonne idée. Ou alors je le retire. Attendez, on passe peut-être. Parce que là, il faut que j'améliore. Ah bah non, ça coûte 2. Ah bah là. Voilà. Comme ça, conduite de balle, on améliore. C'est parfait. Et notre joueur va encore augmenter en général. On est à 74 pour le moment. Donc pour l'instant, on est très très bien. On a un joueur qui se construit bien, qui progresse bien. C'est parfait. On a un bon tir, la vitesse ça progresse tout doucement. Les passes, c'est la prochaine chose qu'il faudra améliorer. Mais j'en suis content. Ah bah, on n'est même plus à 74, je viens de voir. On a passé un niveau, on est à 75 de général. 75 de général. On est monstrueux. Franchement, on devient monstrueux. Alors, pour le prochain épisode, avant de regarder la suite, on va donc jouer contre Genk. Le RWDM, encore un derby bruxellois. Et enfin, le club de Bruges. Donc, encore un bel épisode qui nous attend juste là. Après, on verra quand on branle les matchs de coupe. Parce qu'il me semble que la coupe, c'est dans pas très longtemps. Ah bah non, ça va. C'est dans encore très longtemps. C'est pas avant le mois de décembre. Et là, on affrontera le Cercle de Bruges. Ok. Ok. Alors, stats joueurs maintenant. On va regarder les stats. Pour le moment, on est meilleur buteur avec 19 buts en 10 matchs. Donc, ça, c'est parfait. Passes décisives, pareil. On est à 11 passes décisives en 10 matchs, donc on est partout, on est omniprésent partout, donc tout ça c'est parfait, c'est magnifique. Alors, niveau de l'accueil, agent de joueur, comme vous pouvez le voir, tous les objectifs en vue de renouveler le contrat à Anderlecht, si on renouvelle, c'est validé, quoi qu'il arrive. On a même survolé certains défis. Niveau du Bayer Leverkusen, il nous reste les buts créés, ils nous en font encore 3. Et si on va pour le Bayern Munich, bah là. Ah bah le Bayern Munich, il faut juste 2 buts de la tête. 2 buts de la tête. Je vais reconsidérer peut-être mon chemin, peut-être. Alors, niveau activité, parce que ça je vous le montre jamais. Alors, grosse performance. Commentez votre dernière performance. Alors, on va être intelligent, on va jouer un peu avec le jeu. J'aimerais bien avoir de quoi me faire de l'argent et autres. Donc. Points solitaires, alors ça je peux pas encore. Il faut des points solitaires. Ok, donc on va regarder qu'est-ce qu'on a comme réponse. Points solitaires, se donner une tape sur le dos, louer ses coéquipiers ou continuer à travailler. Et eh ben, on va prendre les points solitaires 70. Hop, comme ça dans la boutique. Points solitaires, on a 50. Pour le moment, on n'a pas les conditions remplies. D'ailleurs, j'aimerais bien savoir lesquelles ne sont pas remplies. On vient avoir le profil de notre joueur, sûrement qu'on n'a pas assez encore. Alors, je vais garder un niveau de mon joueur. Personnalité, voilà, c'est ça qu'il faut que je regarde. Solitaire, je suis quelqu'un très solitaire. Bon. Niveau 3, peut-être qu'il faut un niveau autre pour débloquer ça, je suppose. Moi, je ne vois plus que ça. Regardez, je ne vois plus que ça. Parce que investissement. Non, c'est boutique, c'est là que je vais devoir. Ah, il faut acheter, ok, il faut acheter le truc. Donc 15 000 euros. Et pour moi, je les ai pas. C'est pour ça que ça bloque. Ok. Sinon, je peux aller plus loin. Ok. Ok, je comprends mieux. Parfait. Bon. Eh ben les amis, on va se laisser là-dessus. En tout cas, j'espère que cet épisode vous a plu. Si c'est le cas, comme d'habitude, n'oubliez pas, je compte sur vous pour que vous me laissiez un maximum de pouces bleus. L'abonnement, c'est pas encore fait pour ne pas louper les prochains épisodes et surtout pour soutenir dans ma passion. Et puis, bah, n'oubliez pas d'activer la cloche des notifications pour être averti en temps et en heure aussi pour les prochains contenus, que ce soit gaming, urbex, threads d'horreur, court-métrage et autres déconnades.
parce que je ne fais pas que du FC24 sur la chaîne, je fais aussi des urbex, des threads d'horreur, des analyses de vidéos paranormales, de créatures étranges, je fais également des vidéos fun tout simplement, qui parfois sont hors sujet, j'aimerais dire. Donc si vous voulez en apprendre plus sur moi, donc des vidéos sur ma passion ou autre. Et puis bah, je fais aussi également des vidéos sur, au niveau gaming sur Hogwarts Legacy pour le moment. Donc si vous voulez pas louper tout ça, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Et puis bah, je fais aussi du Fortnite, bien évidemment. Mais bon, ça c'est pas nouveau. Pour ceux qui sont abonnés de longue date, vous le savez déjà. Donc là je parle surtout pour les nouveaux qui se seront abonnés. Et encore une fois, si vous l'avez fait, merci à vous. Sur ce les amis, je vous donne rendez-vous très rapidement pour de prochaines aventures. Et en ce qui concerne FC24 avec la carrière de Nikolai Inoue, on se retrouve dès la semaine prochaine, même heure. Allez, ciao ciao, portez-vous bien, n'oubliez pas que vous êtes phénoménaux et que je vous surkiffe, les amis. Oh yeah!